Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Hamid Babacar Sarr, commissaire divisionnaire de police, directeur central de la sécurité routière. Voilà, et face à la multiplication des accidents de la circulation, vous avez pris certaines mesures, notamment entre autres l'interdiction des taxis moto à Kaloum. Et qu'en est-il aujourd'hui de l'effectivité de cette mesure? Ce que je m'avais à vous dire, c'est que mes agents évoluent sur le terrain pour combattre les taxis moto à Kaloum. Parce que lors des différentes réunions au ministère des Transports, des 24, 25 et 26 août 2016, il a été dit que les taxis moto sont autorisés dans toutes les communes de Kaloum, dans toutes les communes de Conakry, mais sauf à Kaloum. Donc ça a été retenu avec les dispositions préalables que vous connaissez. C'est le port de casque, interdiction de prendre les femmes en grossesse sur la moto, des enfants et tout ce qui s'ensuit. Donc, depuis ce jour, j'ai mis une équipe en ville pour évoluer à ce sujet. Donc, moi, force est de reconnaître que dans le registre des amendes arbitrées, chaque jour, au moins, j'ai au moins 10 à 15 personnes, taxis, et moto, et conducteurs de moto qui sont verbalisés et qui payent le reçu au trésor public. Au trésor public, hein. Bon, sauf que malheureusement, dans certains carrefours, on a remarqué des affaires qui se font, certains policiers indélicats, malheureusement, qui négocient avec les conducteurs de moto-taxi. C'est une réalité. Et qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à de telles choses? Oh, mais ça peut être vrai. J'aime des apports de ce genre. Le constat fait, vous m'apportez des preuves pour qu'on puisse sanctionner les gens qui s'érigent à ça. Parce qu'une instruction de nos chefs, on ne doit pas blaguer. Donc, l'officier ou des gens qui nous défient par rapport à ça, on a affaire vraiment au conseil de discipline. Donc, tout c'est possible. Okay. Nous donnons des instructions. Et si on donne des instructions, il faut qu'on veille à l'application de ces instructions. Ouais. C'est pourquoi le contrôleur général de la brigade mobile, je le mettrai en œuvre pour encore renforcer les dispositifs mis en place à Kaloum. Okay. Et autre chose, c'est un peu certains quand même agents de la police et même de l'armée qui circulent et qui ne portent pas de casque malheureusement et on les laisse passer, il n'y a rien, ils ne sont pas inquiétés. Est-ce que ça également, vous allez entreprendre des mesures contre ça? Mais effectivement, la loi, ce n'est pas pour les autres. La loi, c'est pour nous tous. Que ce soit policier, que ce soit militaire, que ce soit douanier, que ce soit gendarme. Dès que tu es dans un véhicule ou tu es sur une moto, tu es usager ordinaire. On a tout dit. Et on ne porte pas le casque pour le policier. On porte le casque, on dit casque protecteur. C'est pour d'abord sécurité. Si tu tombes, ce n'est pas le policier qui est tombé. Si ta tête est cassée, ce n'est pas la tête du policier qui est cassée. Donc, les gens qui s'érigent à ça aussi, qui ne respectent pas cette réglementation, je leur demande humblement que ce soit policier, homme en tenue, armée, gendarmerie, douane, vraiment de porter la tenue. C'est des exemples qui sont visuels. Et ce que vous dites, c'est sûr que c'est une réalité. Il faut qu'ils soient invités, c'est-à-dire à porter le casque. Mais ils sont inquiétés des fois. Ils sont inquiétés. Okay, vous avez... Parce que j'ai tout le temps les gens à mon bureau pour les remis des reçus, mais qui sont interdits pour le moment. Et vous avez un dernier mot à placer avant la fin de l'entretien? Mais oui, le mot que j'ai à placer, c'est que je veux de telles réactions des journalistes qui constatent et qui viennent au bureau et m'apportent le constat, ça nous permettra vraiment d'agir. Ça, c'est vraiment un premier temps. Deux, il ne s'agit pas que le journaliste reste au bureau ou bien dans un café, il rapporte des choses sans savoir de quoi il s'agit. Donc j'invite tous les journalistes, s'il veut des réponses positives, des questions techniques, de nous appeler. Nous sommes là pour tout le monde. Et j'invite les gens et les autres à porter le casque. Et à Kaloum, l'utilisation des taxis moto reste interdite. Il faut que les gens vraiment s'en passent de cela. J'invite tous les usagers à être tolérants, être patients, être courtois, à s'assurer de la circulation. Car quand on est trop pressé, c'est soit le cimetière qui t'attend ou les hôpitaux. Je vous remercie. Okay. Merci beaucoup, mon commissaire.